Un parchemin de points de compétences. Ça me rappelle pas mal, même si c'est différent, parce que là, on est vraiment en train de passer de l'un à l'autre continuellement. Mais ça me rappelle le prologue dans Wild Arms, où on avait trois personnages différents. Il fallait jouer trois prologues différents, du coup, avant d'avoir le point où ils étaient tous dans la même équipe. Un parchemin de points de compétences. On dirait que je peux m'en servir pour améliorer une de mes compétences. Je devrais utiliser cet objet avant d'aller plus loin. Alors. Augmente de 1 le nombre de points de compétences de l'équipe. Ensuite, compétences, j'imagine. Ah oui, c'est ici. Qu'est-ce que ça change? Ça fait plus de dégâts, c'est tout, hein. On voit pas trop ce que ça fait. On va améliorer la lame de foudre. Effet de l'amélioration. Ah si! Là, on le voit, en fait. D'accord, j'avais pas compris ça comme ça. Si on l'améliore, on fait plus de dégâts électriques et plus de chances de choquer l'adversaire. Et là, ça fait moins de temps de cooldown et plus de dégâts. Bon, on va améliorer lui. Du coup, ça y est, il est amélioré. Ah, et je peux après le renlever quand je veux. Ok. C'est très bien. Je devrais ouvrir le menu puis sélectionner objet. Utiliser le parchemin de points de compétence pour... Hein? Je l'ai fait, ça, c'est bon. Pas de soucis. On est entre amis. Oh, à chaque fois qu'on arrive dans une pièce, on casse tout. Ah, on est arrivé quand ils étaient en train de se changer. T'en voilà, Lucian. Tu profites du paysage? Laisse-lui une seconde. Oh, est-ce qu'elle ne fait pas désormais un peu partie de ta famille? Tu ferais mieux de faire attention, gros malin. Nous ne sommes pas liés par le sang. Lâche-moi un peu. Deux fois. Ah, ça y est, on a un artwork sur Soa. Il fallait attendre qu'elle ait la bonne tenue. Cher Lucian, tu devrais vraiment apprendre à frapper avant d'entrer dans le boudoir d'une femme. D'accord. Je suis content de voir que tu vas bien. Oui, et je pense que tu m'as suffisamment vu ces derniers temps. En tout cas, cette chère Ingrid est une vraie héroïne. Je ne serais pas ici sans elle. Oh, tu me remercieras plus tard, avec de l'or par exemple. Lucian, on dirait bien que le monde est devenu fou aujourd'hui. En effet. Mais nous avons ce qui semblerait être une petite armée juste derrière nous. Nous parlerons de tout cela plus tard. Ingrid, vers où se situe ton vaisseau? Nous y sommes presque. Le hangar devrait se situer juste derrière cette pièce. Ah, on a du lore en plus sur Soa. Une humaine Sayunari. Fille du roi Dargon de Sayuna, kidnappée peu de temps après l'officialisation de son mariage, elle montra tout de même qu'elle n'était pas du tout impuissante. Elle est télépathe, peut contrôler l'énergie vitale, et sa grande beauté séduit tous ceux qui posent les yeux sur elle. Ses talents psychiques et magiques mis de côté, ses attributs les plus dangereux sont ses mystérieuses et profondes capacités intellectuelles, sa nature impitoyable et son ambition sans limite. Donc là, maintenant, on a trois gens-gens. On va laisser eux comme ça. Et elle un peu de côté. Je pourrais les mettre sur la même colonne, mais j'ai peur qu'avec une AOE, ils se fassent atomiser la tête. Une veste de garde. Un fragment de rubis. Et un anneau de rubis. Enfin, un butin décent! Cette chose devrait pouvoir rapporter quelques pièces d'or. Cher Ingrid, je pense que cet anneau est bien plus utile porté que vendu. Il dégage une énergie magique. Cette bague augmentera la force physique de son porteur. Avoir plus de force est toujours une bonne chose. Ouvrez le menu d'équipement et donnez cet anneau de rubis à l'un d'entre nous. Très bien. Ça c'est un truc d'un matériau de craft. Matériau utilisé pour forger de l'équipement, une gemme petite et imparfaite qui confère de la force. Et donc on avait... une armure et un anneau. Alors déjà on va équiper l'armure. Hein. Ça fait moins de PV, plus d'agilité, plus d'intelligence, moins d'armure, plus d'évasion. Est-ce qu'on y gagne au change?
Je pense que oui, en vrai. Je pense qu'on y gagne au change. Et là, on augmente la force. Est-ce que d'ailleurs je peux... Rien, j'allais dire lui mettre la robe de mariée, mais pas du tout. Bonjour. Oh là, ça y est, ils sont 115. Alors, eux, ils ont des boucliers, je peux pas attaquer l'autre pour le moment. Il est presque vaincu. Oh oh, le one shot. La bonne compétence. Aïe. Ok, on l'a presque. Très bien. Nouveau niveau. Niveau 5. Intercepter augmente grandement les chances de Lucian d'être attaqué et réduit les dégâts physiques subis de 25%. Contre-attaque après une attaque physique, j'imagine. Une compétence, ça, du coup. Est-ce que c'est une compétence? Je pense que c'est une compétence. Bien sûr que c'est une compétence. C'est toujours des compétences. Donc là, est-ce que je le joue plus tank ou est-ce que je garde juste les trucs pour... Est-ce que je garde juste les trucs là? Non, je vais garder l'AOE quand même. Quand même, on sait jamais. Ah, on a du lore en plus. Ah, c'est sur les différentes stats. Stats avancées. Capacité. Capacité est l'aptitude de votre personnage à transporter de l'équipement, n'importe lequel d'entre eux. Peut équiper chaque armure, mais si le poids total de tout votre équipement dépasse la capacité du personnage, son agilité et vitesse sera considérablement réduite. D'accord. C'était Count Time. C'était représente les tours et l'ordre dans lequel les personnages agissent. La barre en haut à gauche lors des combats est votre CT barre. Infliger des dégâts CT allonge la durée nécessaire avant de pouvoir agir. Et PT, point technique. Les PT sont vos ressources qui vous permettent d'utiliser vos compétences avancées. Vous pouvez accumuler des PT en infligeant des dégâts, en prenant des dégâts ou en utilisant certaines compétences. Ok. Donc force. La force augmente votre puissance d'attaque physique, soit profite de la force d'une autre manière. Sa magie de sang et son drain de magie deviennent plus puissants au fur et à mesure que sa force augmente. Ingrid peut construire des tas de ferraille plus résistants au fur et à mesure que sa force augmente. Ok. Vitalité. La vitalité est importante pour la défense physique. Elle vous permet aussi de résister plus efficacement aux altérations d'état telles que le saignement, le poison. La dextérité détermine votre taux de coups critiques et votre précision. Elle vous aide également à éviter plus facilement les coups critiques ennemis. L'agilité vous rend plus rapide. Vous agirez plus souvent durant les combats si votre agilité est grande. Elle augmente également vos chances d'esquiver. Intelligence ou puissance magique affecte les dégâts de vos sorts. Elle augmente considérablement vos chances d'appliquer des effets magiques. Je tiens à souligner que ce n'est que de la puissance magique, pas de la véritable intelligence. C'est pourquoi Lucian possède quelques points en intelligence. Elle augmente aussi les dégâts de poison d'Escandar et la qualité des tourelles d'Ingrid. La sagesse et la défense magique, elle vous permet également de résister à un grand nombre d'altérations d'état. Dessus, après, je crois qu'on n'a rien d'autre. Hein. Non. Waouh! Je suppose que ton vaisseau n'est pas l'un d'entre eux, Ingrid. J'aimerais pouvoir dire que je possède l'un de ces bijoux, mais ce n'est pas le cas. En revanche, Sa Majesté ici présente pourrait très certainement en acheter un. Je pense que tu me surestimes, chère Ingrid. Chère Ingrid. On peut pas le voler quand même, celui-là, non? Alors, visiblement, c'est interdit. Oh, un oiseau. On peut marcher sur l'oiseau.
C'est incroyable. Oh! Un level up pour Soa, qui apprend en jeu d'esprit. Soa obtient un aperçu de tout être vivant, ce qui empêche la cible de on ne sait pas trop quoi. Et présence royale, un passif, le sang royal de Soa peut intimider. Grâce à cela, Soa inflige 25% de dégâts en plus, j'imagine. Reçoit 25% de dégâts en moins des ennemis humains. Alors, compétence Soa, est-ce qu'on en sait un peu plus? Empêche la cible de résister. Ah, il y avait un truc ici, là. Succès garanti, avec jeu d'esprit. Alors après, est-ce que je garde le côté soutien ou est-ce que je vais plutôt au DPS? Enfin, DPS. Debuff. On peut faire ça déjà dans un premier temps. Ah oui, j'ai des points disponibles aussi, là. Recovery time, cooldown time. On va améliorer ça, tiens. Ah, et j'ai un passif aussi. J'ai un passif. Actuellement, j'ai privilège royal. Soa a peu de chances d'être prise pour cible par les ennemis humains en raison de la monarchie. Et là, c'est... Elle inflige plus de dégâts, elle reçoit des dégâts en moins. Plutôt prendre ça. Et là, donc, on a un point aussi. Critical bonus, damage, chance to bypass enemy cover. On va améliorer ça. Ok. Là, il y a un garde. Là, il y a un coffre. Et de l'XP. Un joyau de rubis. Ce joyau de rubis est une augmentation. Nous pouvons améliorer nos armes et armures grâce aux augmentations. Si je mets ce joyau sur mon espadon, il va ajouter un effet de feu à toutes mes attaques. Augmentation, arme. Clamor en acier. Cet objet peut être inséré dans une pièce... Ajoute un effet enflammé aux armes ou ajoute de la force aux armures. Attaque, deal additional magical fire damage. Je suis tenté de le mettre sur le pistolet à clous en fait. Voilà, un petit peu d'XP. Le plaisir. Ça sera une petite sauvegarde au cas où. Joudi, 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 joudi. Oh, genre il m'a vu à travers les caisses. Quel saligo. Alors. Donc on lui a fait jeu de l'esprit. Apparemment il attaque après Soa du coup. Contrôle mental. Il a été pacifié. Ah, tant qu'il est pacifié, il a stop en fait. Il peut plus rien faire. Incroyable. Et ça enlève pacifié de l'attaquer, j'imagine. Parce que c'était marqué en rouge. Premier soin, herbe purifiante. Alors, herbe purifiante, retire les effets de poison, saignement, brûlure, gel, choc et lien de sang. Surtout pour... chez les altérations d'état, du coup. Mais où est-ce qu'on doit aller? Ah, je peux passer ici, d'accord. Je peux passer ici. C'est pas le même style. La voilà! Tu m'as manqué, ma vieille. On dirait que les méchants t'ont laissé tranquille. On se passe ici, restons vigilants tant que nous n'avons pas sécurisé ton vaisseau. Qui, je l'espère, peut réellement voler. Ne parle pas d'elle comme ça, gros balourd. Je l'ai rassemblé moi-même. Le plus rapide vaisseau en métaux recyclés, je te l'assure. Il est tout petit. Oh, remarque, bon, il y a 2-3 trous, mais... On peut se balader un peu dedans, quoi.